Ne parle pas depuis tout à l'heure parce que mon micro était éteint. Bienvenue dans la démo Matrix. I like the freedom I feel outside the limitations of the real world. But computers are also mirrors, reflecting back who and what we are and the choices we make, the worlds we build. They also confront us with questions about why we want to choose this over that, why we want to make X instead of Y. Where do ideas of who we are and what we want even come from? You take the red pill, and I show you how deep the rabbit hole goes. This isn't real. What is real? How do you define real? For instance, I'm not even sure why I'm here. I remember waking up and thinking that I'm supposed to come here. That it was important for me to ask people, how do we know what is real? Hi, I'm Keanu Reeves. Over 20 years ago, I first played the character Thomas Anderson in the Matrix trilogy. Those films pioneered digital cinema with shots like bullet time. Back then, we talked a lot about where the digital age might take cinema and narrative. In an industry where actors have tried to remain perpetually young, we wondered about digital faces that could become immortal. Non. Hi. I'm Carrie Ann Moss, and I played Trinity in the Matrix films. Ça, c'est en graphisme, ça. We asked ourselves how long it would be before faces and bodies could be changed. Elle est faite en graphisme, là. We wondered what would identity. Là, il est fait en graphisme aussi. And what would reality. Ah, c'est les graphismes, les gars. C'est pas les personnages. C'est extrêmement bien fait. Non, c'est pas les... Non, là... Mais non, c'est pas les graphismes, là. C'est un truc de fou. Non, c'est pas possible. Bon, c'est pas du 60 FPS. Oh, putain, c'est les graphismes. Non, mais c'est un truc de fou. Non mais là, le Unreal Engine 5, ça va être un truc de fou. Bon, on est pas sur du 60 FPS, c'est normal. On va l'oublier, le 60 FPS, pour tous les jeux next-gen. Mais quand tu as des graphismes comme ça, tu peux t'adapter sur du 30. Hein. Bon, il reprend clairement les scènes du film. Oh putain, c'est un truc de fou. Ah ouais, non, mais les décors. Mais les décors, t'as l'impression qu'ils sont vrais. Non mais c'est un truc de fou. Les décors, est-ce que vous voyez les décors? Les personnages, t'arrives à cramer quand même. Oh, c'est un truc de malade. Ah, il m'esquive, ces amphoros. Non, non, non. Il y a des scènes cinématiques là, c'est pas possible. C'est un mélange de graphisme et de scènes cinématiques. Ah oui, c'est bien fait, reste à voir ce que le jeu donne. Non, ça sera pas un jeu, c'est juste une expérience. Top, hein.
Non mais c'est un truc de fou. C'est un truc de... Regardez-moi les reflets sur la voiture. Non mais c'est un truc de barjo. Bon, il y a des ralentissements. Oh, mais c'est un truc de fou. Attendez, parce qu'il il va avoir la deuxième cinématique, la deuxième expérience. On va pouvoir se balader dans le monde ouvert. Donc là, j'aurai la réponse pour les décors. Mais là, les décors, c'est un truc de fou. J'ai l'impression que c'est la réalité. Putain, ça défouraille. Putain, avec les musiques de Matrix, c'est lourd. Hein. L'hélicoptère et tout, c'est énorme. Oh là là, ça défouraille, c'est un truc de malade. Il y a un gros ralentissement, mais c'est très très beau. Je comprends. Je comprends la claque de tout le monde maintenant. Ah oui, oui. La bande-son de Matrix est énormissime. Bon, ça fait bizarre de revenir quand même... C'est vraiment bizarre de revenir sur des jeux en dessous de 60 FPS. Ah mais les effets de fumée et tout, c'est pas possible. Oh, oh là là, mais non, c'est pas un monde ouvert là, c'est pas possible. Là, c'est pas... Oh, t'as l'impression que c'est un film là, le décor. Non, c'est juste une expérience, hein. Il n'y a pas de jeu annoncé pour Matrix. Hein. C'est juste l'Unreal Engine. Il n'y a eu que deux démos pour le moment. Celle avant la sortie de la PS5 et celle-là, c'est tout. Ah, visual de la Mass AI. Ah ouais, d'accord, ça te montre le moteur 3D. D'accord, donc les véhicules, non, ça te prouve bien que tout est... Donc voilà, les blocs, dynamique, globale illumination, jour, nuit. Oh mais c'est un truc de fou. Et les immeubles, t'as l'impression qu'ils sont vrais. C'est un truc de barjo. Mais regardez-moi les immeubles, vous en pensez quoi visuellement? C'est de la vraie 3D. En nanite, très bien. Oh, et c'est un truc de fou. Oh, regardez-moi l'immeuble. Oh là, mais regardez-moi ça. C'est pas possible. Regardez-moi ça, c'est moi qui fais les changements visuels. Hein. En pixel, d'accord. Non, mais c'est photoréaliste. Non, vous avez pas la claque, là? Graphiquement, vous avez pas une claque, là? Sérieusement? Ah, tu peux te déplacer, carrément. Ah, tu peux l'utiliser. Non, mais vous êtes sérieux? Attendez, on va s'approcher des murs. Cacher les contrôles. Voler. Attendez, voler, ça veut dire que je peux me déplacer. Attendez, faut voir les pixels. La pixelisation, les gars. D'habitude, ça, c'est très peu détaillé. Regardez-moi les détails. Normalement, ça, c'est des trucs lambda. Là, sérieusement? Les effets de lumière et tout? C'est joli, mais j'ai pas la claque. Après, je sais pas si le problème vient de la capture. Je sais pas si c'est net pour vous. Mais putain, c'est... Non, les effets de lumière et tout... Là,
C'est comme ça, t'as l'impression que c'est une photo. Attendez. On va monter. Ah, les effets de lumière et tout. Ah ouais, carrément, tu peux te balader. Mais t'es sérieux là? Le monde ouvert comme ça? Ah si, il y a des trucs qui s'affichent quand même. Hein. On voit les véhicules s'afficher et tout. J'ai peur d'une chose avec des jeux comme ça. C'est net, mais c'est pas un waouh pour ma part. Non, mais il y a quand même une différence avec les jeux PS4. Moi, en tout cas, il y a une grosse différence, je la vois. Est-ce qu'il y a des trucs qui s'affichent à la dernière seconde? Non. Si, ça s'affiche à la dernière seconde. Hein. On voit qu'il y a des affichages de textures qui viennent, mais vraiment que très peu de temps après. Le menu, ah, je peux choisir les différents points. Ah ouais, non, mais c'est carrément toute la map, là. Ils ont carrément fait un monde ouvert là-dessus. Oui, je suis d'accord avec toi, il y a une belle différence. Le load sur la route ne bouge pas. Comment ça, le load sur la route? Attendez, on va regarder la texture du goudron, les gars. Regardez-moi la texture du goudron, quand même. Ah, tu pourrais compter les... Ah, il y a une grosse différence, quand même. C'est énorme. Bon, là, la rainure n'est pas très belle. Mais bon, de près, ça va encore. Mais là, la rainure n'est pas très belle. Mais bon, la zoom au maximum aussi. Hein. Regardez la rainure. Et sinon, le goudron, c'est ouf. C'est une Porsche. J'ai cru reconnaître une Porsche. On voit les gens à l'intérieur. Ils ont modélisé les trucs à l'intérieur. Non, mais ça, il n'y avait pas avant. Je pense pas que ça soit de la 3D. Hein. Alors, tu as des filtres avec les options en appuyant sur Start. Level of detail. En gros, que tu sois à 100 mètres ou 1 mètre, la voiture a exactement le même tas. Pas de popping sur la bagnole. C'est que tout passe dans les graphismes et la modélisation. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Là, c'est vraiment, il te montre la puissance de la machine. C'est tout, il te montre que ça. C'est quoi comme immeuble, ça? On dirait le Rockefeller Center. Ah, Top Top, je crois que tu es là. Je crois que le Top Top est là.
J'ai peur d'une chose avec des jeux comme ça. R1 plusieurs fois pour aller plus vite. Ce qu'on voit là, c'est le mensonge d'Ubisoft en 2013 avec Watch Dogs. Il y a du ray tracing ou pas? Oui, il y a du ray tracing là, c'est sûr. Non, mais ça, sur les voitures lambda, les gars, les voitures lambda, elles ont... Quand je parle de voiture lambda, c'est pas la voiture sur laquelle tu vas être. C'est la voiture, tu sais, des PNJ qui passent. Mais franchement... Non, non, c'est une giflasse, là. Plus 5 points pour le dragon. Regardez les effets de lumière. Attendez, on va voir s'il y a un véhicule qui passe... Et qu'on voit l'ombre du véhicule dans la carrosserie. Oh putain, juste il y a une voiture qui passe. Est-ce qu'on voit l'ombre des véhicules? Ah si, il y a le ray tracing et tout. Alors, voyons voir s'il y a la voiture qui se reflète. Putain, il y a la voiture qui se reflète, les gars. Quand la voiture passe, la voiture se reflète dans la carrosserie. La voiture qui passe sur la route... On la voit sur le reflet de la carrosserie. Fait triangle et va à côté de la voiture. Oh putain, d'accord, ok. Oh non. Bon, je me passerai de commentaires sur la jouabilité. Le frein à main, c'est quoi? C'est L2? Ça, c'est le frein tout court. Le frein à main, c'est le rond. Ah, tu peux carrément te balader avec la voiture dans toute la map. Oh là là, ça abîme. Attendez. Attendez, j'ai abîmé la voiture. Ça a l'air pourri la jouabilité. Ça l'est, je te confirme, hein, pour la jouabilité. Je te confirme que la conduite des véhicules fait atrocement peur. Alors, moi ce que je veux voir, c'est les reflets des véhicules là. Est-ce qu'on va les voir passer? Est-ce qu'on va les voir passer? Ah non, mais j'ai le reflet de la voiture qui est arrêtée devant, les gars. C'est... Non, c'est un truc de barjo. Mission Mall. Ah, oh, c'est un truc de fou. T'as toute la map en plus. Non, non, c'est... Y a quelque chose. Hein. Là, là, quand je fais ça, tu peux croire que c'est une photo. On sait pas encore au point parce que autour du personnage, au niveau des contours, ça pixelise quand même. Hein. Je sais pas si vous le voyez, vous, mais ça pixelise. Hein. Un jeu peut avoir 20 sur 20 en graphisme,
Mais si après, il suit pas la cadence, il va se faire défoncer comme un certain cyberpunk. Je suis d'accord, les graphismes ne font pas tout. Et c'est pas pour rien qu'on peut jouer encore à des jeux PS2 et s'amuser fortement. Alors, ray tracing ou pas ? Attendez, je vois une lueur verte là-bas, c'est quoi ? Comment on sprint ? L1. Déjà, on va voir la tronche du personnage. Oh non, c'est propre, hein. J'ai cru voir une lueur verte, là. Ah, c'est écrit en français. On raconte qu'il y a un jump park quelque part dans la ville, plein de rampes comme celui-ci. Pourrez-vous le trouver ? Ah, il y a des énigmes quand même. Je vais prendre la rampe là. Je vais juste passer la rampe pour voir. Ah d'accord, on est dans la matrice. J'allais dire, Doc, c'est bizarre que tu n'as pas encore dit qu'elle roulait bien du cul. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Je reprends d'ici un quart d'heure pour tester Minecraft. Si Dr. Nintendo peut me rejoindre, on va le faire en live. Merci beaucoup d'avoir été présent ce soir. Je vous donne rendez-vous très bientôt. A plus dans le bus, à bientôt dans le métro, à la revoyure, dans la voiture. Et à jamais dans le tramway. Pour moi, c'est une claque. Je vais maintenant regarder un peu tous les gameplays de partout et voir ce qu'ils pensent. A plus.